Le château. Et là, vous comprenez ce que je dis, en fait, ça va. Un tout petit peu. D'accord, ok, bah merci, hein, merci, ça fait plaisir. Hein. Alors, au moins, je peux sympathiser avec des jeunes filles, enfin des gens ici, et voilà. Tu peux juste éviter de couper la parole quand il raconte l'histoire, parce qu'à chaque fois, il D'accord, recommence. excusez-moi, désolé. T'inquiète, c'est pas grave, t'inquiète, ça arrive. Ah putain, j'en peux Allez, Damien! plus. Il mérite Wesh, pas, il m'aide, il s'est attends, 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 aidé. ta gueule, il y a un chat qui se tape là dehors. Wesh. Attends, Rien, je vais j'entends. entendre. Wesh. Tu mets, non, 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 tu mets 1920 par 1080. Salut, désolé de vous déranger. Est-ce que ça joue ici un peu à Valo? 1080. Ouais. Et tu contrôles l'audio via OBS. En 1080. T'es quel rank, jeune garçon? Contrôle audio via OBS, ouais. Sinon ça va mettre le son bizarre. Et si t'as bien Pardon. fait les trucs sur ton téléphone, c'est censé te mettre la cam. T'es quel rank, jeune Voilà. garçon? Tu veux venir jouer avec moi dans un channel à part? Ouah, non, ça va aller, Oh. ça va Allo aller. Access, ouais, allo Access, allo Access. Oui, Viens, ça se met. Mizu, on Yes, va Miss, tiens, public juste pour la 14, caméra. viens, viens. Ouais, j'arrive, j'arrive, vas-y. Attends. Yes, un pige! Dans les mailles du filet, les gars. Oh putain, ça va être bon ça. Ou alors peut-être que je suis naïf, ou mon perso est trop naïf. Oh putain, un petit pige. Attends, j'y retourne, les gars, je vais dire, mais attends, mais. Attends, je vais retourner, je vais dire. Chance, bah. Je suis monté en 14, je t'ai pas vu monter. Tu peux venir? Tu mets start virtual caméra. Louis, je te gobe. Louis, je casse ta caisse. Mizu, Tout à droite, tu viens là-haut? le troisième. Reznor, bouge de là. Ah, troisième, Ta ouais, gueule, tu l'as. toi, ta gueule! Donc sur Discord, tu peux mettre ta cam et voilà. T'as le pédophile de merde, allez, Discord, Omegle, normalement ça marche. pédophile! Pédophile, il a dit! Oh, vas-y! Ça va pas, personne ne veut jouer avec toi? Est-ce que j'en vois? Est-ce que j'en vois? Je calme bien ma caméra, parce qu'au moins on voit pas ma tête. Ah, faut que je config Juste quel moi. ca... Après, faut que tu configures sur quelle caméra tu veux. Il y en a plusieurs. C'est bon. Normalement, c'est bon. Qu'est-ce que j'en Ah, vois? voilà, il faut que tu configures quelle caméra tu veux sur Bon, bah, Omegle. allez-y, hein. On n'a Là. qu'une vie, les gars. Après, là, je sais pas comment faire. Je sais comment avoir une J'ai cam sur envoyé, Omegle. je vous montre le channel là où je suis, les gars. Et go, HF. Voilà, ça me met snap. Oh, mon ref. Oh, excusez-moi, les gars, excusez-moi. Vous avez fait comment pour mettre votre caméra? Il doit être sur téléphone, non? C'est les T'as caméras. fait comment pour mettre ta caméra? Ah, Mais. ok, c'est bon, je sais. Tu vas dans le petit cadenas. Va dans le petit cadenas, va sur le petit cadenas, juste à Mizufu, côté. tu veux venir avec moi dans mon channel, s'il te Non, plaît? Non, ça c'est la traduction. Au-dessus, Mizu, au-dessus, au-dessus, tu veux au-dessus, venir t'as pas ta avec cam? moi? C'est du Omegle. C'est Non, quoi ton personne ne veut Omegle? jouer J'étais pas avec ta cam. toi. Le petit Calme. cadenas, juste à côté du Omegle, sur lequel il Mizu, y a est-ce des que t'es. lumières. Au-dessus, Mizu, au-dessus, 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 au-dessus. t'as une Non, mais le caméra? cadenas. Ah oui, il y a aussi un Est-ce logo que cam t'as une ici. caméra, Mizu? T'as une Ah bah voilà. caméra? Ah, j'ai trouvé! Ouais, celle-là, tu mets. À époque, tu vois, t'as marqué époque en bas. Et tu Oh, changes. c'est horrible. Que j'irai. Bonjour, monsieur Moustache. Je peux pas. On va arriver à changer. Ah, manage! Il y a marqué manage. Manage. Emmanuel Plequin, c'est qui ça? Voilà, je te mute, ça. Oui. Je crois que c'est dans manage, Moi-même, mais. Emmanuel Ah, voilà. Plequin. Ah, mais ouais, c'est mon Là, je chauffe les effectifs, les gars. Là, je suis en chauffing d'effectifs. Je chauffe les effectifs, les gars, pour le prochain. Va à dans la caméra en haut, là. Et puis tu putain. J'ai longtemps que j'ai pas écouté cette musique, c'est quel générique, ça, c'est dans quoi, déjà? Et tu m'entends? Avec tout ce qui se passe, faut bien tenir compte dans l'actualité. Bah, j'aimerais bien vous changer les Bon, idées, attendez, vous apporter un peu attendez, je vais vous bon, tester, je vais vous tester. une très bonne empathie On va remonter et tout vous là-haut, les passer gars. une bonne et Il y a des mecs qui agréable vont mal parler, les gars. un bon après-midi. J'ai rien compris. Moi, mes chansons, ça Voilà. parle au jeu. Donc, l'assemblée de SS. Salut, King Jack, t'es là? Yo! Salut. Salut. Ok, ça va, mais salut. Salut, désolé de vous déranger, mon testé un peu mon micro, voilà. Voilà. Bonjour, rebonjour à tous. Et puis tu m'entends? Un mute. Avec tout ce qui se passe, faut bien tenir compte dans l'actualité. Moi, Un j'aimerais bien mute. vous changer les Le idées, vous tien. apporter un peu de bonheur. Oh, Et je suis très bon empathie et vous passe une très agréable une bonne après-midi. bonjour. Mais la nuit, c'est catastrophique, c'est un fiasco total.
Ouais, c'est bon, je vous ai remonté. Ce qui me fait peur, c'est qu'il veut se présenter à Starac, et la seule chose qu'il va faire, présenter mes chansons. Mais le seul petit problème qu'il a, Nazim, c'est que toutes les chansons qu'il propose, ça vient de moi. Il veut copier ma fille du soleil. Mais il rigole. Ouais, ça copie, Nazim. Il raccroche. Il y a Régis derrière. Donc, Nazim, t'as on peut prendre ma femme, mon fusil, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. J'avais oublié celle-là. Bah oui, merci, il paraît dans son restaurant, c'est n'importe quoi. Par contre, ce que j'aimerais bien, est-ce que vous pourriez me donner l'adresse de son restaurant? Parce que moi, j'aimerais bien aller voir. C'est que c'est à Paris, la capitale, nous ça. Est-ce que tu pourrais me donner l'adresse de son restaurant? La seule chose que j'ai vue, il paraît que c'est un fiasco total. Les gens sont malades, ils ont des indigestions, il paraît qu'ils donneraient la vente de chats. Mais est-ce que quelqu'un peut me donner l'adresse? Ah bon, ils ont fermé son kebab. Eh ben, disons, c'est que ça marche pas tellement comme ils voulaient. Il va aller cramer un kebab. C'est un nouveau semin, il est énorme. Je vais même le stand ou pas? C'est l'adolescence, c'est terrible. Et c'est le théâtre qui a fermé. Attends, ça va beaucoup mieux, j'ai de l'aise. Ce qui est bien, c'est que tu en prennes conscience. Oui. Va parler à un psychologue et bah, après, quand tu te sentiras mieux, après, on pourra en parler. Je suis pas bon psychiatre. Se fout du monde, ce type. Moi, j'ai pas besoin de quelqu'un qui me copie dans mes chansons. Provoque-moi pas, fils de pute. Parce que je vais te baiser ta mère. J'ai juste à dire au fixe ce que tu fais, espèce de pédophile. Dis-tu maintenant. Mais c'est un spectacle. Tu mets les trois ensemble sur scène. Les gars, mais imaginez les mecs. Moi, je paierais pour voir ça, les gars. Tu les mets en trois. Le maître Kahn, le petit Manu et ma cousine. Tu leur dis, ouais, sortez vos meilleures répliques. Tu fais de la radio bien le samedi. Pendant une heure, je rigole. Oh, putain. À quelle heure on va se coucher? Voici la chanson de mon premier live. Sixième live. Voici la tour de se coucher. La première chanson de ce soir. Non. C'est la tour de se coucher. Gérald. L'enfer. L'enfer. On est prêt. On est prêt, les gars. Le monde. À quelle heure on doit se coucher? On descend, les gars. Descend en public 4. Oui. Laissez-moi d'abord faire quelque chose. Les gars, depuis tout à l'heure, il y a des gens. Ils arrivent dans les canettes là où je veux être. Mais il va se suicider ou quoi, lui? Rebonjour à tous. Pourquoi il y a Emmanuel Ploquin, le petit Manu, il m'a coupé. Pourquoi ces animaux là, les gars? Je chante en slam, je suis venu en live parce que je suis un artiste aussi comédien animateur quand il y avait le Covid. Écoutez-moi bien, je pense que vous allez passer un bon moment, je vous le souhaite. Ah, bon Dieu. Je vous demande, c'est la honte de ma toucher, Gérald. Le seul rôle que je veux, s'il vous plaît, le seul rôle que je veux. Je vais vous déranger, mais il y a des gens qui arrêtent pas d'aller dans le même channel que moi juste pour me harceler. D'accord. Bonjour à tous. C'est un fiasco total. Je suis venu en live parce que je suis un artiste comédien animateur quand il y avait le Covid. Oh là là, c'est vraiment horrible. Non, mais c'est ça. C'est Emmanuel Poca, le petit en live, en direct, il y a peut-être d'autres lives, sur mon 46e live. Merci à Moi, je vais rejoindre Massis, hein, les rues. Merci, Fasti, merci à raconte pas ta vie, toi, on s'en bat les couilles. Bonjour, Stéphanie, t'as bien profité toutes ces années. Oh, bonjour. Oh, bonjour. Dark Manu, on va mettre des mines Dark Manu. T'en as bien profité toutes ces années. Mon pauvre Nazim, c'est qu'il est complètement paranoïaque. De base, il y avait une meuf. Donc, Nazim, à tout faux, mon vieux, à Thierry. C'est qui? Eh ben! Tais-toi, le pif là, tais-toi. Commence pas, me chou. Il se fout du monde, ce type. Moi, j'ai pas besoin de quelqu'un qui me copie dans mes chansons. Tu fais n'importe quoi. Toi, déjà pour commencer. Terminé le pif, attends, laissez-le parler. Oh, ta gueule, toi. Tu copies tout sur moi! Tu déteins! Kael? Ah non, c'est pas bien du tout! Kael? Il est où, Kael? Et là, tout le bonheur possible, je te souhaite, bien moi, Emmanuel, ton ami, évidemment, forcément. J'aime trop. Je vous salue bien, amicalement. Au revoir, salut. Il s'est marré. Eh ben, dégage.
Mais il est chaud, attends, c'est qui le remplace? Ah oui, c'est le stagiaire. Qu'est-ce que tu viens me casser les couilles, là? Allez, dégage. Il nous a embêtés, effectivement, Régis, oui. On pourrait faire du contenu qu'avec ces mecs-là en bine. Exactement. Non, mais c'est quoi ces gens, frère? C'est quoi ta gueule? C'est bon ou pas? Mais toi, ta gueule, en fait. Qu'est-ce que t'insultes? C'est qui l'admin, là? Hein? Ouais, mais tu t'es ta mère! Oh, ils sont tu veux là, quoi? Tu veux... Putain, mais expliquez-vous, bordel de merde! Pardon, Régis, désolé. Désolé. Là, ils sont chauds, hein. J'avais pas vu que c'était chaud. Non, mais c'est nul, ça, c'est nul. Attends, on va aller voir Miss Dufour. Faites-moi péter un câble au pige, là. Tu vois quoi, le pige, là? Mais non, c'est... Ah, oh, il mérite. C'est quoi, c'est Roblox? Allez, hop, on va sur les backrooms. Bonjour, non, bonjour, bonjour à tous. Ta gueule, toi, je sais pas t'es qui. Mais j'ai fait, il me fait harceler. Non. Amangos. Je suis venu. Parce que je suis un artiste. Vous voyez, animateur, parce qu'il y avait une c'est qui m'entend? Non, les gars, laissez Manu et Régis, les gars. N'intervenez pas, faites pas des fins, les gars. On va voir le pire. J'ai goûté, Benjamin, battre. C'est GG, pas souffle. De quoi J'ai juste à dire au fixe que tu fais ce que tu fais, pédophile. En train de te masturber sur des mineurs, espèce de gros fils de pute. C'est bon, je pense qu'on est prêt. Avec moi. Parce que attends, la tête de ma mère, je vais être la première à tirer. Il y a personne pour sortir là, il y a pas un bouffon ici. Et ça le met à la cousine du coup. Désolé, je vous dérange. Oh, ça le pédophile de merde là. Je suis pas pédophile, c'est juste. Je joue avec toi, Valo. Personne joue avec toi, Valo, mec. Bonjour, bonjour. C'est pas le même mec, il a les mêmes voix. À chaque fois qu'il vient, il y a tout le monde qui vient en fait. Il y a tous les cancers qui viennent. Voilà, il m'a fait un tweet. Tu connais rien à la vie. Oh, micro. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans l'actualité? Bah, j'aimerais bien vous changer les idées, vous apporter un peu de bonheur, dégager une très bonne empathie et vous passer une bonne et agréable après-midi. Magnifique. La nouvelle génération, c'est des. On voit tout. Mais on sait que tu viendras pas. On voit tout. Bonjour. Viens. Hello. Comme 7 fois, on sera les plus fois. Je t'ai coupé la parole. Bonjour, bonjour. T'es ensemble. T'as envie de parler. T'as envie de me démarrer? Bonjour! Prends ta trottinette. Oh, ouais. Ah ouais, OBS, ouais. Viens ici. Je vais te baiser ta mère. Moi-même! Ah ouais, et ben, oh, lui, des affaires dans et ma... Moi, je prends des sous ici. Eh, je prends même pas 150 ouais, balles ici. Discord, je prends 150 euros par mois, fils. Ça va et toi, cousin? Tu comprends? Tu crois que je vis avec ça? Fils, bonjour. J'ai une cul dehors, frère. Demain, je m'embrouille avec des mecs dehors. Moi, j'ai pas besoin de quelqu'un qui me copie dans les choses. Il nous entend? Toi, petit bouffon d'internet, ouais, viens, je vais te montrer. Non, non, voilà, mes camarades ne sont pas très bons. Bonjour! Mal. On peut t'emmener en balade. Bonjour, là, c'est Fanny, t'as bien profité toutes ces années! Petite baignade dans la Loire. Bonjour! Surtout, elle est froide en ce moment, comment il y a du courant. Bonjour, y rester. On est bon. Corléan, il est trop chaud. Ziak, c'est un truc de ouf. Bonjour. Tiens, c'est vous, moi, je suis pas comme vous. Bonjour. Je mange ça. Bon, les stagiaires, venez en DM. On décroche juste, les gars. On leur donne même pas un centime. Les stagiaires, venez en DM, les mecs, je vous envoie. Alors, on garde qui, les mecs? On garde Jojonoc, je crois, qui est bon, qui est pas mal en bind. On garde qui, Régis? On en garde deux, hein, sinon ça va être la cacophonie, les mecs. Pour que ce soit un minimum travaillé. On en garde deux. Et après, si vous voulez un vrai bordel, si vraiment, voilà, vous voulez faire, vous voulez qu'on finisse en apothéose, y a pas de souci, on le fera, je vous convierai. Mais pour l'instant, j'en prends que deux. Y a qui d'autre? BKO, je crois qu'il y a, et BKO? BKO, il a fait disparaître, Oui, mais le problème, c'est qu'ils sont pas disciplinés, enfin, ils laissent pas les autres intervenir, donc on n'entend pas les réactions des autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écouter les autres. Bah, je crois que c'est le même, celui qui fait, Par contre, il y a deux Emmanuel Plocam, donc mettez-vous d'accord. Mais il rigole! Moi, c'est un copieur, vas-y! Souffle le sol, bien sûr que je l'ai vu, c'est un volant. Comment tu vas? J'espère que sur Twitch tout va bien pour toi. Tu te fais pas trop chier. Alors, Latina, Régis, Manu. Ok, bon. Envoyez-moi vos messages, les gars, je vous envoie le prochain Discord. Vous m'envoyez un message sur Discord. Un petit DM, les mecs, et je vous envoie tout, ok? C'est parti? Vas-y, let's go, je vous envoie un nouveau Discord. Bon, attends, je vais aller sur ce Discord. Là-bas, c'est souvent le bordel. Il mérite. Attends. Est-ce qu'on intervient sur une radio libre? Transwoman, c'est quoi ça? Via le sexe. Ouais, via tout ce que tu veux. Ah, le gros crash choqué. Salut, désolé de vous déranger. Ça discute un peu ici ou pas? Salut, t'es quoi, toi?
C'est qui vient de parler là? Et qui vient de parler là? C'est moi, Reznor. Reznor, il est excellent ce mec. Faut sortir des toilettes là. Mais Reznor, parle-nous de toi. Non, non, c'est pas un français. Y'a pas. Bref. Oh, Reznor, parle-nous de toi, s'il te plaît. Ouais, parle de toi, s'il te plaît. Bah, si vous voulez, j'ai 42 ans, je travaille plus trop en ce moment. Avant, je travaillais beaucoup. Je faisais dans les marchés. Il n'y a rien de drôle, hein. Et j'ai beaucoup de temps, je suis passionné d'informatique. Et je joue beaucoup sur Internet. Et voilà. T'es passionné d'informatique, mon ref. Oui, je fais du langage, c'est plus. Etc. Java, enfin, tout ce qui est sur Internet. Et j'aime bien faire des rencontres aussi à travers les jeux vidéo, je joue beaucoup à LoL, à Valorant en ce moment. Est-ce que tu peux retirer la testicule que tu as dans ta bouche? Oh là là, Pau, il est horrible. Oh là là, ah, il mérite. Oh là là. Il mérite. Oh là là. Il flotte. Non, ça, c'était trop. J'ai un souci, j'ai un problème. Pété graphique de lire. C'était too much. Un souci avec ma... Non, tu me le défonces. Tu me le défonces. Ok, ok, débit. J'ai un souci avec ma voix, donc je prie de pas vous moquer, voilà. Pas grave, c'est pas grave. Oh, Reznor, défonce c'est la voix, c'est moqué. Tu me le défonces. Merci, en tout cas, jeune demoiselle. Je sais pas c'est qui, c'est moi. Ouais, c'est de rien. Il est dangereux. Non, mais c'est juste que... Ah, désolé, moi, je te jure, je me moque pas. Un complément à une fille qui est plus, en plus très jolie sur son avatar, donc... Merci. Viens, en privé. D'accord, woman, tu veux qu'on aille où? Bien DM. DM, ok. Ouais. Je t'envoie un DM. C'est infernal. On va bien jouer. Ah merci. Il a 32 berges. 42, gros. 42? Bah oui, il l'a dit. Mais Reznor. C'est dangereux, tu te rends compte? Non, mais j'ai déjà parlé à des filles trop jeunes, j'ai rien de d'équivoque. Bah ouais, c'est pas grave. À des filles 40... ou à des filles? Rien d'équivoque. C'est bon, je t'en... À des filles ou à des robots? À des filles ou à des bots? Des filles sur Discord, ça m'arrive, je discute avec des garçons, donc il n'y a jamais de problème. Non, il n'y a pas de problème. Avec moi, tranquille, on va s'amuser. Moi, je te le dis. Ouais. Arrête, arrête, je joue pas avec lui. Les petits connards, c'est vrai. T'inquiète. Car je suis très enchanté de te connaître, Milk, et merci pour ton accueil. De rien. Il n'y a pas de souci. Mec, je vais t'envoyer un message en privé, tu me dis si tu me réponds, s'il te plaît. T'as dit quoi? Tu m'as dit quoi? Reznor, t'as dit quoi? Reznor, t'as pas niveau long, tiens, dans mon slip. Non, j'ai envoyé simplement un message à un mix, c'est privé. Eh ben... Je te prends par la main et hop. On va voir si elle va balancer, les gars, j'ai envoyé un message à Milk. C'est coucou, on peut discuter en privé, on s'ajoute sur Insta. On va voir les mecs. Oh lolo. Vas-y, attends, on va voir. Pardon. Let's go. Milk, ça reste entre... Milk, ça reste entre toi et moi, ça. Bien ah sûr. Oui, ça reste entre nous. Allez, entre toi et moi, Riz. Il m'a envoyé un nude. Oh, fuck, c'est énorme. Attends, j'ai pas fait trop de... Énorme. Par contre, évite de faire ta misto un peu salope, va dire des conneries sur moi. Bon, espèce de petite conne, là. T'es sérieuse, là? C'est bon, t'as gagné. Ben, pardon. Merci. Petit Raphaël, qui fait bien. Allez, viens. Allez, hop, ça dégage. Vas-y, viens sur la planète. Ici, c'est pas comme... C'est quoi, ces mecs qui ont des... Et par contre, il vient pas ou quoi, l'autre, là? Je l'ai envoyé le Discord. Je comprends rien, là. Ouais. Bon, sont mises en cause. Ah, non. Allez, allez. Non, voilà, on était en train d'échanger, toi et moi. Pourquoi t'es parti? Bon, au revoir, les stagiaires. Vous êtes ban? Il faudrait que j'aille sur un Discord, là, il y a du monde, en fait. Il y a trop de monde et j'installe. En fait, il faudrait qu'il s'installe. En fait, il faudrait même pas que j'intervienne. Il faudrait qu'il s'installe et qu'on le regarde à l'œuvre.
je pense. Non, ça serait le mieux. Non, 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 on t'a bouge. Viens, Vox 3. Manga. Et vas-y, frère. Bon, Résineur, tu veux quoi? Bon, Résineur, tu veux quoi? Dis non. Allez, hop. Alors, si je serais pour parler à des jeunes demoiselles comme vous, échanger... Non, 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 merci, tu vois. On n'a pas trop très envie de parler avec toi. Bonjour, rebonjour, rebonjour à tous. Ça y est, mon frère. Pourquoi il n'y a que des trisomiques? Il a dû se dire bonjour, hein. T'es bête, toi? Non. Si tu m'entends. Oui, on t'entend, oui. Je suis avec deux demoiselles, elles sont très gentilles. Mais... Résineur trisomique, c'est Manuel Poca, le petit Manuel et ma Cosmo. Bon, moi, je chante en slam. Je suis venu en live parce que je suis un artiste aussi, comédien, animateur, quand il y avait le Covid. Attends, débarque. Ah bon, c'est mon grand-père, fils de pute. Wesh. Au bon sang. Il parle comme ça, de bon sang. Au bon sang. Salut, Résineur. Salut, je peux vous déranger? J'arrive pas à me... Bonjour, rebonjour, rebonjour à tous. Bonjour. Oh là là. 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 Vous êtes en live, en direct dans mon live. Il y a peut-être d'autres lives. Mon 46e live. Merci, Sofiane. Moi, mes chansons, ça parle aux gens. À quel moment on va se coucher? Voici la chanson de mon premier live. De mon 46e live. Voici à quel moment on va se coucher? La première chanson de ce soir. Je sais où je vais le mettre. Je vous demande à quel moment on devra se coucher, Gérald. L'artiste. La nuit. Tu as peur. À quelle heure on devrait se coucher? Oh, Résineur, tu la mute? Non, j'écoute, là. Il faut une démonstration de slam. Écoute. Écoutez-moi bien. Je pense que vous allez passer un bon moment. Je vous le souhaite. Bien vos calcis. On partage aussi, normal. Est-ce qu'on partage? Moi, c'est qu'on partage. Oh putain, les mecs, regardez. Oh, c'est jackpot. Pourquoi tu partages pas, frère? Les gars, moi je vous dis, les meufs et les mecs. Je l'envoie là-dedans. Créatif, ça veut pas être amis, en fait, c'est ça. Bon, quand tu vas en boîte. Oh putain. Ou non, elle, je te jure, j'étais en boîte la dernière fois avec mon ex, la vie de ma mère. Rebonjour à tous. Encore, tu peux avoir des meufs. Non, mais gros, imaginons. Je ne peux pas profiter de ton avis. Moi, je dis, il n'y a pas de meilleur. C'est qui que je vais muter là? En gros, imagine, t'es en boîte. On est d'accord que si t'es avec ta meuf. Je vais avoir des commentaires. Et je peux avoir des commentaires déjà. C'est un fiasco total. Et là, tout bonheur possible, je te souhaite, bien Emmanuel, évidemment. Forcément. La tête de ma mère, j'ai un boulot à ma pote, hein. Attends, je vais voir les commentaires, et ça se trouve. Et ça se trouve, ils vont dire, ouais, c'est de la merde, c'est pas ouf, arrête YouTube. Allez, Arnaud, ça va? Et puis tu m'entends? Oui, on t'entend. Des bons commentaires ou des mauvais? Moi, je chante en slam, je suis venu en live parce que je suis un. Il joue à quoi, lui? Ma Cosmo. Attends, je suis. Je l'ai fait, prochain. Par contre, le mec, tu parlais des métiers filles garçons, là. Toi, c'est moi. Ouais. Tu vois, ma pote. Tu peux avoir des meufs potes vite fait, ok, mais des meilleurs amis, non, c'est mort. Parce que gros, voilà, mais gros, à ton avis, j'ai juste une question, les gars. Pourquoi quand vous allez en boîte et que vous êtes avec votre gadget, vous profitez pas? Pourquoi? Parce qu'il y a cher des meufs qui vous attirent. Et que frérot, ta gadget, frère, elle bloque, frère, elle bloque. Tu veux juste être respectueux, mais tu peux pas, frère. Tu peux pas. Quand je vais en boîte, parce que tu sais que les mecs qui sont en boîte, qui sont pas avec leur meuf, ils ont la dalle, et qu'au moindre truc, frère, ta gadji, elle passe dedans. Oh les gars, faut pas oublier un truc, gros, si Gadji, elle dit, elle a un meilleur pote, faut faire le dilemme entre soi, elle. Ah, c'est Mekka ou pote, mais gros, de toute façon, mon ex, elle avait un pote. Attends, elle avait un pote qui habitait, frère, au Maroc. Je dis, attends, comment ça, c'est ton pote, il habite au Maroc, ton meilleur ami. Elle me fait, ouais, on se parle depuis 5 ans et tout, c'est mon pote, genre, il habite au Maroc, tu l'as déjà vu? Elle me fait, non. Je dis, bah, c'est pas ton pote, qu'est-ce que tu me racontes? Elle me fait, mais voilà, si, il était là quand j'étais pas bien. Tu fais, oh non, il veut juste sortir avec toi.
Elle me fait non, tu mens. Frérot, il s'envoyait des cœurs, il se donnait des surnoms. Je dis là, tu sais quoi? Je dis la vérité, il veut te pécho. Ah, ça, c'est pas des potes, ça, c'est pas des potes. Qu'est-ce qu'il raconte? Il s'envoyait des cœurs et tout, c'est pas des potes. Je suis en couple avec elle. Qu'est-ce qu'il raconte? Elle a commencé à s'afficher un peu quand j'étais en couple avec elle. Tu sais pas, il a fait quoi son pote? Il l'a bloqué. Elle a pas compris, il est revenu en mode. Mais qu'est-ce que tu baragouines? Qu'est-ce que tu baragouines, mec? Mais personne va avec sa meuf en boîte, idiot. Attends, bref, et attends, du coup, ce qu'il fait, il me... C'est qui, mais du coup, il commence à se vénérer et tout, et frère, au bout de 2 mois, frère, il lui met des ultimatums en mode, ouais, c'est soit moi, soit ton pote, soit ton mec. J'ai l'alcool, frère, elle comprend pas, tu vois, elle me dit, mais pourquoi mon pote me fait ça? Je lui fais, il veut le pécho, arrête d'être con. Et là, elle comprend pas, et je lui dis, mais frérot, tu sais quoi, bloque-le, et tu verras, il se bat les couilles. Dis-toi, frérot, ouais, ma meuf, elle avait, par jour, un nofek, elle avait 60 notifs Snapchat. Parce que tu vois, en plus elle est bi, donc frère, double peine pour moi, tu vois. Elle était bi. Donc attends, 60 notifs Snapchat, elle a vu ma mère, bro. Elle a vu ma mère, et là c'est tous les respectueux, hein. Attends, là c'est tous les mecs respectueux. Elle a dit quoi? Attends, au bout de 60 notifs Snapchat, elle dit, ouais, voilà, je suis en couple, elle l'assume un peu partout. Tu sais à combien c'est descendu? À 4 notifs par jour, frère, 4 notifs. Elle doit être tiens belle. Elle t'a fait cocu parce que tu le méritais déjà, t'es très con d'aller en boîte avec ta meuf, idiot. T'es un bouffon, c'est tout. Moi, j'ai parce que gros, 60 notifs par jour, et elle a arrêté de parler. Elle a dit que j'étais en couple avec avec moi, du coup. Elle est tombée à 4 notifs par jour. Elle me faisait quoi? Elle me faisait, putain, j'ai 0 notif et tout, c'est trop bizarre. Je fais, mais oui, vous voulez tous te pécho, arrête de débile, frère. Oh, ah, moi, la merde. Moi, j'ai mon pote, il sortait avec une meuf, et la meuf, elle voulait pas qu'il nous voie, parce que, comme on travaille tous en agricole, on picolait, tout ça, etc. Et là, depuis qu'il commence à nous revoir, il se sent mieux qu'avec sa meuf, parce que sa meuf, une vraie peau de vache. L'autre fois, on débarquait tous chez lui pour son anniversaire. Non, vous devez vous barrer. C'est une streameuse connue, soir. La mère de mon pote a fait, il reste, et c'est elle qui est dégagée. Hop, tiens. Des fois, tu peux avoir confiance en ta meuf, soit elle le fait exprès, soit elle est complètement conne, frère, parce qu'en fait, elle est dans l'ignorance et elle croit vraiment que les mecs, ils vont être amis. Genre juste amis. Tu crois qu'un mec vient te parler sur Instagram, il te DM. Tu penses juste qu'il va être ton ami. Faut arrêter. Ça frère. Se coupe pas, mais les mecs. Nous, les mecs, on est des vicieux. Je suis désolé, on est des vicieux. Quand on parle à une meuf, c'est pas pour jouer aux échecs avec elle, frère. Non, c'est vrai. Ça dépend la meuf, les gars. Ça dépend la meuf. T'es là. Gros, je te mens pas. C'est quoi l'intérêt? Je vais peut-être être cru et des fois, c'est pas tout le temps ça, mais en général, frère. C'est quoi l'intérêt de faire des potes meufs et gars? C'est la même chose. Discord, tu joues. Ouais, mais frérot, on est d'accord que, frérot, imaginons. Il y a personne sur le vol. T'as une Conchita devant toi et t'as une Kelly Jenner. Ah, je peux envoyer un Manu. T'as préféré parler à qui? À la meuf la plus bonne. Pourquoi? Parce que tu te dis s'il y a moyen un jour au calme. Qui a Manu là? Je note. Est-ce que tu peux aller faire sur le vol ça? Au pire, si Kelly elle rejette, je prends Conchita. Ça dépend des mentalités. Ouais, gros, ça dépend de ta mentalité. Non, mais ça dépend des mentalités. Parce qu'il y a des meufs belles, mais après. Si toi tu peux pas parler à une meuf sans avoir faim, Ouais. Elle me cherche, frère. C'est toujours elle me cherche. C'est moi qui suce le mur. Non. Fille au volant, accident au tournant, attention à vous, il y a une fille qui a un volant. Attention. Il poste sur internet, mais je pas sucer des bêtises. Il est gênant lui, il a dit. Attendez, les pires, ce sont ceux qui ont des appareils dentaires. Non, mais après, les gars. Les gars, sinon, vas-y, pour moi, l'amitié garçon-fils, ça existe, vas-y, t'as vu. Mais ça n'existe pas. Moi, j'étais pote à moi, elles sont chèvres, j'ai pas été touché. Dis pas n'importe quoi. Mais vas-y, pas. Mais c'est parce que t'es pas un grand garçon, frère. Tu vas voir que tu vas grandir. Mais non, mais ça veut dire. Là, t'es en mode. Mais voilà, tu vas voir, tu vas grandir, tu vas préférer les moches. Moi aussi, quand j'étais jeune, je préférais les meufs bonnes. Mais t'as vu, maintenant, j'ai 28 ans, frère, je baisse que des moches. C'est comme ça que ça marche. Tu vois, en fait, t'en as marre, je t'ai coupé la parole. T'es ensemble, t'as envie de parler, t'as envie de me démarrer. Prends ta trottinette électrique, viens ici, je vais te baiser ta mère. Il veut quoi lui? C'est qui lui? Oxygène, un truc tout simple. Un truc tout simple. Est-ce que oxygène, un truc tout simple, est-ce que t'es en couple? Non. Pourquoi? D'accord. Attendez les gars. Je vois déjà les crevards dans ces DM. Par contre, du coup, regarde, Oxygène, est-ce que t'es pote mec? Du pas, frère. Du pas, frère.
des oreilles. T'es dans un monde éclaté. T'es dans un monde éclaté. Tu dois pas dire c'est la même chose. Qui parle là, que je vais le muter là, qui me saoule. Criez pas. D'accord, donc t'as des potes pas IRL, quoi. En gros, dans la vraie vie, t'as pas de potes, quoi. Envoyez la les bâtards. Allez, envoyez la Tina, les gars. La Tina là-dedans, là, elle va faire un carnage. La Tina, rechangez vos persos, les gars. Je veux une Latina. Latina qui est demandée. Mais tu nous fais de bandit. Tu viens ici me faire des rappels et tu me dis le chômeur. Du coup, ce que je veux dire, ce que je veux dire, Oxygène, c'est. Attends, je vais muter l'autre là. Il faut pas tapiner dans la rue. Du BKO, c'est le meilleur. Ce que je voulais dire, c'est que dans un autre panel, s'il vous plaît. Margot. T'es pas de paillère, du coup, t'as jamais vu. Oh, lui là, mais lui, il mérite. Oh, attends, c'est lui là. Attends, j'ai un mutin parce qu'il est en foule. T'as tout pas, mon vieux. BKO. Non, mais t'inquiète, je m'occupe encore de lui. Il est en foule. Tu repars à pied. Tu repars à pied en caleçon et en chaussettes. Qu'est-ce qu'il raconte? Trottinette, ton vélo, je sais pas quoi. Tout ce que tu veux. C'est complètement absurde. Après, oh, par contre, juste, je suis d'accord avec Mougli, je crois que c'était Mougli qui parlait. Frère, moi, dans la vraie vie, vas-y, j'ai pas beaucoup de potes meufs, j'en ai presque aucune, t'as vu. Genre, c'est sur Discord, t'as vu. Sur Discord, bah oui, c'est. J'en ai jamais connu, moi. Viens. Vous avez jamais connu qui, les gars? C'est même pas. Qui tu m'entends? Jamais. Je mets un balai dans le cul. Moi, j'ai jamais vu de meuf en vrai. La meuf que j'ai vue, elle est là, elle est sur la cam là. Avec tout ce qui se passe, faut monter vos comptes dans l'actualité. J'aimerais que vous changez d'idée, vous apportez un peu de bonheur, dégagez une très bonne empathie et vous passez une bonne et agréable. Moi je chante en slam. C'est que des collègues. En fait, moi j'ai eu qu'une seule fois une pote meuf, mais c'était pour intérêt, c'était pour gratter son compte Netflix. Mais sinon, jamais. Oh les bâtards. Oh attends, je disais. Je disais Oxygène, du coup, en mode les mecs, genre tes mecs que t'as jamais vu là, tes mecs faux. Genre, est-ce qu'il y en a un qui te plaît, genre tu trouves mignon? Comme deux veux en vrai. Sois honnête. Vraiment, sois honnête. Vous êtes tous dégueulasses. Ah, pareil, DZ. Mais en fait, regarde, elle doute. Ah, pareil, DZ. Non, et ment pas. J'ai pas compris. En gros, là, est-ce qu'il y en a un que tu l'aimes bien? Attendez les gars, je fais la question. En gros, sur tous tes potes là, tes potes que t'as pas vu, tes potes que tu vois pas IRL. Ouais. Dans tous tes potes, est-ce qu'il y en a, un ou deux que tu trouves vraiment mignon? Dis la vérité. Oui, ok. Et ce mec mignon, imagine, t'es célibataire depuis 2 ans, tu veux vraiment un mec. Et ce mec mignon, il te dit, bon bah voilà, est-ce que ça te dit qu'on passe la soirée ensemble? Et peut-être que, en gros, il te le fait sous-entendre, mais peut-être qu'il se passera un truc. Peut-être que je te soulève. Est-ce que tu vois, ou est-ce que tu dis, non, il se passera rien? Ça dépend. Ah, mais déjà, il y a un E. Comment ça, ça dépend? Arrête de mentir, tu dis oui ou non. Laissez-la, c'est une bouffonne. En allez, gros, moi, je il veut clairement dire qu'il a envie de te pécho et toi, t'as pas de mec. Attends. Lui, il a pas de meuf. Mais ça veut pécho. Oui. Mais elle a rien, elle comprend pécho, pas. Elle a rien, c'est une blonde, les gars, elle comprend rien. Laissez-la. Pécho. En gros, bah. Comment ça, je suis gênant? Comment ça, je suis gênant? On va le faire foutre. Vieille meuf, t'es sérieuse là? Ouais, mais m'énerve elle aussi, qu'est-ce qu'elle veut cette meuf là? Qu'est-ce qu'elle veut? Au pire, tu la mutes, Mais j'en ai rien à foutre, je vais la mute, je vais l'affronter, c'est les faibles qui mutent, c'est les faibles. En gros, t'es handicapé lui ou quoi? Je t'en prends conscience. Va parler à un psychologue, et après quand tu te sentiras mieux, après on pourra en parler. Voilà, donc ce que je te disais, donc en gros, ce mec là, ce fameux mec que tu trouves mignon, il te dit bon voilà, on fait une soirée ce soir ensemble, tu dors à la maison. En gros, il te fait comprendre que vous allez pécho. Est-ce que tu y vas? Toi, t'es célib, lui, il est célib. On a compris ton jeu, Mougli. Tu veux essayer de la pécho, alors ferme ta gueule. Alors lui, il va se bouffer son mute. Il a le thème, je te jure, mute-le. On a foutu. Après, non. Bande de pervers. Oh là, il raconte trop sa vie, Reznor, là. Eh ben oui! Bah, attends, je mute local. Tu disais quoi, Oxygène? Tu veux quoi, Abdelkader, là? Robe déterminée, là. Ferme ta gueule. Tu veux te battre, viens, on va en bas. Tu veux revenir aux mains? Ah putain, mon cou, j'ai mal au cou.